Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Donc là, on va voir la suite de notre cours sur la cinématique et la dynamique newtonienne. Donc, avant, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu tout simplement l'expression du vecteur OM, du vecteur vitesse, ainsi que l'expression du vecteur accélération dans le système des coordonnées cartésiennes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement les composantes. Les composantes de OM. Donc, on va voir la notion de composante en toute simplicité. Donc, les composantes de OM, V et A. Donc, vous pouvez bien sûr entendre ce mot composante. On peut vous demander de donner les composantes de OM, mais vous pouvez ignorer cela, alors que c'est tellement simple, c'est très simple. Donc, à savoir bien sûr que OM, puisque OM s'écrit X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K. Donc là, je viens d'écrire mon vecteur position en coordonnées tout simplement cartésiennes. Donc là, les composantes du vecteur position OM en coordonnées cartésiennes sont tout simplement X, Y et Z. Donc, on peut en effet utiliser la notation suivante, c'est-à-dire qu'on met comme ça OM, voilà, et OM a comme composante X, Y, Z. Donc, X suit I, Y suit J, Z suit tout simplement K. Donc, pour ce qui concerne le vecteur vitesse, donc ça pour ce qui concerne OM. On sait tous que le vecteur vitesse, on a bien expliqué que le vecteur vitesse c'est tout simplement la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Donc, ça donne dx sur dt suivant i plus dy sur dt suivant k plus dz. Pardon. Dy sur dt suivant j sur d plus dz sur dt suivant k. Donc, en effet, ça c'est très simple. Donc, on a déjà expliqué ça dans le cours qui précède. Donc, en effet, ce dx sur dt, on peut le noter vx, c'est-à-dire que c'est tout simplement la composante de la vitesse, du vecteur vitesse v. Bon, suivant les x, c'est la composante VY et la composante VZ. Donc, le vecteur vitesse a comme composante VX, VY ainsi que VZ en toute simplicité parfaite. Pour ce qui concerne l'accélération, on a bien dit que l'accélération, c'est tout simplement la dérivée du vecteur vitesse v, donc c'est dv sur dt, qui est tout simplement la dérivée seconde de x par rapport au temps, suivant i, etc. Donc ça, on a tout expliqué dans le cours qui précède. Il suffit juste de le voir. Donc ça, pour ce qui concerne l'accélération. Alors, de même, pour ce qui concerne l'accélération, on peut utiliser cette autre notation qui est tout simplement la suivante. C'est ax suivant i plus ay suivant j plus az suivant k. Donc ça, c'est l'accélération. Alors, l'accélération a comme composantes qui sont les suivantes. On a la composante ax, la composante ay et finalement la composante à z en toute simplicité. Donc bien sûr, bon, à savoir que ici vx,
c'est tout simplement la dérivée de x par rapport au temps. La vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Pour ce qui concerne ax, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Donc, c'est d de x sur dt2. Ay, c'est d de y sur dt2. Az, c'est d de z sur dt2 en toute simplicité. Donc, ça pour ce qui concerne les composantes, la notion de composante, donc OM, V et A. Donc, après, on va voir la norme. Bon, on peut voir ça maintenant. Donc, là, on va tout simplement donner la norme de OM, de V et puis de A. Donc, la norme de OM. Donc, la notation qu'on utilise est la suivante. Donc, on fait OM et on ajoute deux barres là et ici deux barres. On fait la racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, chaque composante, on la met au carré. Et je dis bien chaque composante. Pour ce qui concerne la composante, la norme de V. La norme de V. Donc, de même, on utilise la même expression. Donc, V. Donc, deux barres là, deux barres là. Et on met racine. Donc, je mets composante au carré plus composante au carré plus composante au carré. Donc, je vais faire Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Pour ce qui concerne la norme de A, la norme de A. Donc, la même notation et l'expression, elle est similaire. On fait la racine, on prend la norme AX, on la met au carré, on ajoute la norme AY, on la met au carré, et on ajoute la norme AZ, on la met au carré. J'espère que tout ça, c'est bien simple. Après, Inch'Allah, on va voir des applications. Quelques applications pour ce qui concerne cela, à peu près ce qu'on a déjà vu. Donc pour bien voir que ça peut s'appliquer, c'est pas juste un cours qu'il faut apprendre comme ça. Bon, on peut appliquer cela. Bon, voilà. Merci pour votre attention.